YouTube et bienvenue dans la 12e vidéo de Oxygenote Include. C'est toujours sur Iron Grime, je suis Kaelon. Et donc c'était le bordel qu'on s'est quitté à la 11e vidéo. On avait un problème d'oxygène, on n'arrivait pas à produire assez d'oxygène. Du coup on mettait tout en place un système de production via électrolyseur, mais du coup ça faisait d'hydrogène et tout. Enfin c'est le bordel. Mais je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Là, tout le système est presque en place. Pour que ça fonctionne. On peut faire ça. Alors, je veux de la priorité 9 parce que j'aime quand les choses vont vite, mais c'est vrai que dans l'absolu ça fait un peu chier parce que ça provoque une espèce de chaos ambiant où chacun part un peu faire ce qu'il veut. Basiquement c'est le bordel. Voilà. C'est le foutoir. C'est le gros bordel même. En plus, il y a tout le système qui surchauffe. Oh là le bordel. Équipement cassé, merde. D'accord. Ok, on a eu ça. Pourquoi il n'y a plus de... Ah, c'est pour ça que ça surchauffe, c'est qu'il y a trop de trucs qui passent par là. Ah, c'est que ça. Ça va ? C'est les nœuds qui surchauffent en fait. Ok. Je peux avoir des meilleurs câbles ? Câble de tension, ah oui. Est-ce que vous pouvez me réparer ça? C'est vital, s'il vous plaît.
Merci, Kyrax. Oui, c'est ça. Merci. Au niveau de l'eau. Attendez. Au niveau de l'énergie. Ça va. Au niveau de l'eau. Ça semble correct. Ça produit pas des masses en fait. Ça consomme pas beaucoup d'eau ça en fait. Peut-être qu'on peut en mettre d'autres. Au niveau de la plomberie. De la ventilation plutôt. Tout produit normalement. Très bien. Oui c'est ça, tout produit normalement. Circuit surchauffé, où ça? Là? Merde putain. Il me faut des câbles de tension je pense. S'il vous plaît. Équipement manque de ressources. Bah oui. Y'a quoi en bas qui manque de ressources? Ah y'a ça aussi, bon toi dégage. Non, le terrarium d'Al démolis-le. Ça, démolis-le, pour l'instant ça ne sert à rien, on va prendre de la place. Je pourrais mettre un générateur à charbon aussi. Bon, il faut du métal brut, et ça me prend une place monstrueuse, je pense. Mais... ça peut être pas mal. Quoi ça? Câble cassé. Putain, il est empêté. Tout le système de cap qui commence à partir en cocouille. On va s'affranchir des algues et on va entièrement passer à l'électrolyseur. Et pour l'eau, bah on verra comment en produire plus. On trouvera un moyen. Puisque dans l'absolu, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Juste de ça, basiquement. C'est tout. Équipement cassé. Ok, tac tac. Ouais non, si si, c'est bien, mais bon. Du coup, peut-être que ça produira plus d'hydrogène. Et du coup, mais tout mon bordel de filtre à hydrogène pourra fonctionner pour alimenter ma centrale à hydrogène et ce sera le GG.
Et les trois, il y a les câbles, les aérations, il y a tout. Réparez-moi ça, bordel, il n'y a plus d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité, donc c'est le chaos le plus total. Arrêtez de manger! Merci. Ouais, mais s'ils réparent pas, ils vont mourir aussi. Ah! Attendez, j'ai vu un truc intéressant. Un de mes trucs a pompé de l'hydrogène. Alors, je sais pas si on va pouvoir le revoir. Oui, l'hydrogène. Là, il y en a. Là, il y a un petit truc d'hydrogène. Regardez! Salut Kid, regarde, il y a un truc d'hydrogène là. L'hydrogène il arrive ici dans le filtre. Tac, il est filtré, il part là-bas. Tac, 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 il suit le tuyau. Enfin la conduite d'aération plutôt. Ça tombe dans mon magnifique générateur. Hop. Voilà, l'hydrogène et c'est bon, ça a fait un petit peu d'électricité. Oh, pas beaucoup, effectivement. C'est le bordel. T'as vu, il était beau l'hydrogène, le petit carré vieux. Oh là là, il n'y a plus d'oxygène dans la salle de bain. Circuit surchauffé. Ah putain, oui. Alors faites-moi une recherche pour avoir des meilleurs câbles, s'il vous plaît. C'est où? Où est-ce que c'est? Transfo électrique, poste de régulation. Où c'est les meilleurs câbles? Combustion, non, objet raffiné. C'est où les meilleurs câbles? Recherche avancée, ventilation, déco d'intérieur, plomberie. C'est tard? Non. Plaque de câble de tension. Ah, c'est ça. C'est ça que je veux. Alors comme ça, ça a l'air de rien, hein. Mais ça a pris un sacré temps de temps pour réussir à faire ça. Il n'y a plus de tester, c'est ça. C'est ça. Donc on va avoir deux problèmes majeurs maintenant. Le problème qu'on n'aura plus d'eau bientôt. Et le problème que on produit pas assez d'énergie. C'est quand même deux problèmes assez majeurs, hein, mine de rien. Enfin, je dis qu'on a plus d'eau. Si, de l'eau, on en a. Parce qu'on peut recycler tout ça. Mais. Merde. Ah, bah si, mais attends, je mets une porte là. T'es en paniqué, yellow. Mais c'est vrai que je stream en combien? Mais c'est une très bonne. Je suis qu'en 1080p? Est-ce
Effectivement, ouais, non, c'est vrai qu'il semble avoir que du mi. Et du coup, ça passe pas le 1080p, c'est ça? Non, bah, j'aurais pas trop en 720 si c'est vraiment possible. Magnifique. Je sais pas si ça produit beaucoup. Puissance 800 watts. Et ça. Combien ça produit cette merde? Attendez. Énergie. Ça. Énergie plus 400 watts. Ça, énergie plus 800 watts. Donc c'est vachement mieux ça. Ça peut vraiment aider. Par contre, il y a tous les câbles qui commencent à se péter les uns après les autres. Ça fout le bordel. Circuit pété ici. Putain, tous les circuits commencent à lâcher, quoi. Bordel. Ah mais c'est qu'il commence à avoir trop de dioxygène, en fait. Ok, on en produit plein du coup, bon bah ça permet d'avoir plein d'énergie. Bon, ce qui est bien quand même, hein. Ah oui. Ça fonctionne bien, on est d'accord que ça c'est ok. Quelqu'un qui aille dans l'égout pour réparer ça, s'il vous plaît. Sans vouloir vous commander. Je sais que c'est pas agréable, mais il faut y aller. Merci. Tic-tac. Très bien, c'est bon, c'est reparti. Oxygène, on est où? C'est la merde dans la salle de bain? Ouais. On s'en doute. Il fait trop chaud là-dedans, c'est ça? Il fait chaud ici? Ouais, il fait trop chaud pour la plante. Il peut crever chaud là-dedans cette pièce. Non, ça va. Équipement cassé, qu'est-ce qui est cassé encore? Putain. Très bien. Ok.
Merci à Caliel d'aller dans le caca. Recherche complétée pour les meilleurs câbles, oui. Voilà, pose de régulation d'énergie, transfo électrique, plaque de jonction, haute tension et câble de tension. Beaucoup de trucs. C'est quoi? Non, ça c'est autre chose. Et ça c'est quoi du coup? Alors, câble haute tension. Transporte plus de puissance que les câbles électriques sans surcharger. Ne peut pas traverser les dalles. C'est ça qui est chiant en fait. Donc ça... Mais où est-ce qu'on peut savoir combien il y a d'énergie dans... Parce que bon, d'accord, il y a des surcharges de câbles. Bah je gagne. C'est vite dit. Le but, c'est de tenir le plus de cycles possible. Je suis à 62 cycles. Ce qui est pas trop mal, je pense, pour une première partie, être à 62 cycles. Mais en fait, tout le but de jeu, c'est de réussir à gérer toutes les ressources que te donne le jeu. Et du coup, tu as l'eau, l'oxygène, basiquement. Il faut réussir à faire fonctionner tout ce bordel ensemble pour produire de l'énergie, etc. etc. C'est une constante fuite vers l'avant, en fait, où il faut améliorer le confort. Genre là, l'eau, elle est pompée ici. Elle est utilisée dans la salle de bain, balancée dans l'égout, mais reprise dans l'égout, traitée, également balancée dans les créateurs d'oxygène. L'oxygène est pompé, renvoyé dans toute la structure. Ça fait aussi de l'hydrogène. Hydrogène qui est balancé dans le générateur à hydrogène. J'ai un générateur à hydrogène qui est relié au service électrique. Et là, le problème du coup que j'ai, c'est que le service électrique, bah, il est un peu en surtension. Peut-être... Mais comment on voit les surcharges? Comment on voit les surcharges du circuit électrique? Il commence à faire trop chaud aussi, hein, tu veux partout. Information, on peut traverser la connectivité. Myrite cuivre, 24 degrés 9. Énergie. Détail. Point de fusion de 1000 degrés, bon, c'est pas ça. Ça coûte une fortune. C'est quoi ça? Irrespirable, vite. Là, c'est vraiment du vide, ça. Genre, c'est l'espace. Bah, go for it. Ah non, c'était bien des énormes stocks d'hydrogène. Je crois. Je sais pas. C'est encore la nuit? D'accord, c'est encore la nuit. Du
Du coup, c'est bien parce qu'avec tout ce système, on peut passer toute la nuit sans que les batteries se vident grâce à ce générateur hydrogène. C'est bien. Je suis très content de ce générateur hydrogène. Un bon investissement. Là, ça serait bien de mettre une échelle. Genre là. Et genre ici. Voilà. Et de creuser tout ça. Pour libérer un peu de place. Circuit surchauffé. Où ça ? Merci. Un autre ? Non, c'est bon. Ici la table. Ah mais si, attends, je pourrais pas faire une espèce de pièce garde-manger, salle à manger. Mais si, je pourrais carrément faire ça. Tac, tac, tac. Une porte grillagée ici. Voilà, ça c'est alimenté tout seul. Ça c'est alimenté ici. Là, bon, c'est alimenté avec tous les trucs, on s'en fout. Ouais, c'est bien comme ça. Ok, du coup, avec une salle à manger, bonus de soulagement du stress, ça ira très très bien. Ouais, c'est très bien. Avec une petite blonde verte en plus, magnifique. Parfait, salle à manger, magnifique. Ça c'est bien, nickel. Ok, on s'en sort, hein. On s'en sort. Bon, par contre, il y a toujours l'eau qui va finir par manquer. Ça c'est le problème majeur maintenant. L'eau va finir par manquer, c'est sûr et certain. Là, tu peux me démolir ça et foutre une échelle du coup. Tiens, vous pouvez même nettoyer ça. Il n'y a toujours pas beaucoup d'oxygène dans la salle de bain par contre. La salle de bain, faut toujours un peu se boucher le nez avant d'y aller quoi. C'est vrai. Par contre, du coup, il commence à faire beaucoup trop chaud dans mes serres. Donc on va vraiment améliorer cette serre là. Très bien, démolissez-moi tout ça s'il vous plaît. Et tout ça aussi au passage. Non, pas ça. Ah. C'est pas l'heure d'aller dormir. Alors, c'est pas l'heure d'aller dormir, mais ça va être l'heure de la fin de cette vidéo YouTube. Est-ce que j'en fais une dernière ce soir? Il est 23h21. Bon, on va pousser un petit peu celle-là. J'ai envie de voir cette nouvelle ferme. On va pousser un petit peu celle-là, on va faire un cycle de plus. Voilà, nouvelle ferme. Et les problèmes majeurs pour la partie suivante seront le problème d'eau et le problème de température, parce qu'il faut vraiment faire un truc ici. Et puis, ah bah, il n'y a plus d'hydrogène, c'est logique, parce que l'hydrogène est complètement parti vers le haut, comme ça. Et le temps qu'il redescende, il y a un petit peu de marge. Il y en a un petit peu qui arrive, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a de la terre polluée, d'accord, mais c'est pas trop important ça. Est-ce que vous pourriez me construire tout ça, s'il vous plaît?
ça serait vraiment bien. D'accord. Ok. Giant. Ah, c'est beau tout ça qui travaille. Que vous avez froid ici? Que vous avez froid? Tac, ok, et du coup, bon, on fout les arbres un peu partout. Hein. Tac, 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 tac. Non. Voilà. Pénurie alimentaire? Ah merde. Là, forcément, tout ça ne fonctionne plus. Est-ce que j'aurais pas des plantes qui produiraient plus? Qui produiraient avec des plantes plus chaudes? degrés. 10, 30 degrés. Non, il faudrait que je refroidisse la pièce. Ça fout le bordel encore de refroidir la pièce, je le sens. Recherche. Moyeu de température. Utiliser comme d'un des cloisons pour construire des pièces. Pas d'effet. Serre. Station agronome. Il faut vraiment une station agronome. Je ne sais pas c'est quoi ces stations agronomes. Là on est bien, il fait pas trop chaud. Mais c'est vrai que là, juste à côté de la centrale, c'est vrai que c'est pas la place idéale pour des plantes. Non, ton Sims n'est pas mort. Il y a Iron Door qui est mort ici. Enfin, qui est mort de faim. On avait plein de bouffe, mais elle est morte de faim. Ton Sims, il est où ton Sims? Tu es où toi? Tu es là, tu es chercheur hein, d'ailleurs, tu es le chercheur de la bande. Tu avais des prédispositions à être chercheur, du coup tu es scientifique. Alors je voudrais vous dire qu'on va repasser à la bouillie de boue. Désolé. Creuser ça pour pouvoir libérer cette eau pouvée, la foutre là-dedans, après tout carcier. Quoique. Bon, on va laisser ça comme. Non, on va. Il faudrait prendre cette eau-là. Cette eau-là, il faudrait la rebalancer là-dedans. Ce serait bien. Il y a celle-là aussi qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Il
Mais tout ça, ça sera dans la 13e vidéo d'Oxelot Cloud qui sera tournée la semaine prochaine. Parce que là, ça va être la fin du live, les amis. Ça fait déjà 3 heures à peu près que je stream. On a bien avancé, mine de rien, parce que on a mis en place tout le système d'oxygène en haut là. Tout le système de ventilation, la canalisation, les câbles. Et surtout, je suis très très fier de mon générateur hydrogène. En vrai, je suis très très fier. Mais du coup, ça sera à la prochaine vidéo. Des bisous YouTube, des bisous Twitch aussi. Allez dormir, il est l'heure. Dormez bien, faites de beaux rêves. Puis à la prochaine. Salut!